Bonjour, bienvenue dans la petite guidance du jour. Allons-y, j'espère qu'elle te trouve en pleine forme. On y va. Alors, nouvelle version du grand jeu Mademoiselle Lenormand que j'aime beaucoup. Voilà, en fait, c'est les premières illustrations, l'original du jeu. Bon, il y a peut-être qu'il y en a eu un autre avant. Mais en tout cas, celui-là, les dessins étaient comme cela avant qu'ils deviennent comme cela. Tu vois, deux versions. J'aime bien changer et celui-ci me répond bien aussi. Ah, alors, bon, je fais quoi? Alors voilà ce que je vais faire. Je vais garder ce petit là pour en faire une petite lecture à part. Ensuite, je vais prendre cette carte-là en premier qui est tombée toute seule. Elle a l'endroit. Oui, elle a l'endroit. Je vais prendre les deux autres petites cartes à part qui sont tombées toutes seules. Tac, tac. Voilà, et avant de les retourner... On verra, j'ai envie d'en prendre deux de plus. Hop, moi je vais pas les retourner tout de suite. Haha, suspense. Tirage à 5 cartes. Et sache que tu peux faire un tirage à 7 cartes, à 9 cartes, à 10 cartes, 11 cartes. Bon, alors celle-là s'est retournée. Déjà, je l'aime pas. On l'a vu, je l'aime pas. C'était la dernière à positionner ici. Donc ça me va bien parce que c'est dans le passé en plus de ça. Donc c'est mieux. Bon, il est recommandé de commencer en ligne par le plus simple possible. Et en même temps, plus tu t'entraînes, mieux c'est. Alors, elles se sont présentées toutes les trois. Jupiter qui s'est transformé en taureau. Eh bien, c'est qu'on a quelqu'un qui se cache. Et je vais te faire le lien tout de suite avec la carte du passé que je vais découvrir ici. Tac, qui est là. Eh bien oui, on a bien quelqu'un qui se cache. 4 de pique, on fait attention. Une personne qui vraiment apporte peut apporter beaucoup de problèmes sans que tu le vois, sans que tu t'en rendes compte. Junon s'est transformée en grand-mère. En gros, elle prêche le faux pour savoir le vrai. Elle se cache. Elle est derrière des apparences pour vraiment semer le trouble et même venir détruire aussi. Donc attention aux mensonges, à la manipulation, à la perversité aussi ici. Surtout mensonge et manipulation, on a quelqu'un là qui n'est pas très sain, il faut faire attention. Le petit sujet nous montrera que ça ne fonctionnera pas et que ça n'a pas fonctionné puisque cette carte-là se trouve dans le passé. Donc on avait bien quelqu'un qui se cachait. Et oui, donc hop, je la laisse retourner ici. Là, Jupiter s'est transformé en taureau pour venir séduire Europe. Donc, il y avait une notion de séduction. Attention, parce qu'on peut se retrouver complètement perdu. Et c'est aussi la carte de la passion également, cette carte-là. Attention à ne pas être trahi, t'es trahi justement par cette personne qui se cache là. Eh bien oui, il y a une stratégie à avoir. Quelle est la stratégie à suivre ici? Les Grecs viennent demander conseil au prophète Calchas. Justement, quant à la bonne marche à suivre dans une situation, eh bien là, de guerre, hein, compliquée. Néanmoins, avec Saturne, il sera question de persévérance aussi ici. Il y a cette notion aussi peut-être d'autorité, de rester droit dans ses bottes hein, aussi peut-être, hein, et de maîtrise. Hein, de la situation. Eh bien oui, ça fonctionnera parce que qu'est-ce que nous avons derrière? On voit un combat, hein, Mars, on a le talisman de Mars, donc face à vraiment à la... Bon, on voit bien qu'il est question de combat ici, de faire face à l'adversité. Voilà, je vais trouver le mot. Eh bien ici, le talisman de Mars aide vraiment, apporte aide et protection. Et on dit attention à l'adversité. Là, on donne le courage et l'énergie. Nos deux guerriers viennent voler les chevaux du camp adverse. Là, on a des hommes qui sont à terre. Ils ne savent pas vraiment si tout le monde est à terre, hein, d'ailleurs, mais ils viennent, ils sont conquérants, victorieux. Il y a une notion de victoire aussi, grâce au courage qui est donné aussi, hein, également. Voilà. Donc, effectivement, on voit que quand même nos trois cartes là, qui sont sorties ensemble, eh bien, donc beaucoup de piques. Hein, les piques, c'est souvent les soucis, les difficultés. Va falloir agir dans la matière avec notre trèfle aussi ici. N'empêche que c'est un 10 de trèfle et qu'il est question de victoire sur justement les difficultés. Là, j'ai pas de figure géomantique sous mes lettres. J'en ai une ici. On dit qu'en fait, ici, cette personne-là,
Enfin, cette situation-là, et cette personne-là aussi certainement, a retardé une évolution, un chemin, une transformation, puisque via ici, sur cette carte-là, pas sur une autre, mais sur celle-ci, ça nous parle de transformation avec retard. Et via, c'est aussi le chemin à suivre, la fin d'une période, le début d'une autre. Hein. Voilà, il y a la fin de quelque chose et le début d'une autre, mais on voit que là, il y a un cycle qui a peut-être eu du mal à se clôturer parce qu'il a été retardé justement par une personne toxique. J'aime bien venir au centre. Le centre, c'est la personne qui demande une guidance. Si cette guidance te parle, bah, elle peut aussi te représenter. J'insiste vraiment sur le discernement à avoir sur les guidances. Ça, c'est très très important. Allez, je continue. Donc, ici au centre, tu as l'alchimiste. Cet alchimiste-là, eh bien, c'est aussi un 10 de cœur. Donc, on a quelqu'un quand même qui est motivé hein, pour y arriver, pour réussir aussi ce qu'il entreprend. Donc, je dis il, c'est manière de parler. Hein. Voilà. J'essaie de stabiliser ma caméra. Et le 10 de cœur, en fait, ici, on est sur la phase de l'œuvre au blanc. Donc, il y a des prises de conscience qui se sont faites, certainement avec par rapport au passé. Ici, avec la carte du non transformé en grand-mère, hein, on dit attention à une personne toxique, abusive, manipulatrice. La clarté se fait. Donc, ici, aussi, on a fortuna minor. Il est question de petites opportunités, de chances qui vont passer rapidement, qu'il faudra savoir attraper. Hein, ça, c'est important. Hop là, 4 de trèfle, et ben on a encore un alchimiste. Et en fait, cette carte-là, elle va tout à fait avec celle-ci. Hein. Là, on est toujours dans le passé ici, là au centre, dans le présent, l'état d'esprit, l'état de vie de la personne. Et là, très clairement, eh bien, on voit que les deux cartes sont en lien, puisque 4 de trèfle, les questions de quelqu'un soumis aux caprices d'une autre personne, quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup travaillé pour arriver où il en est, où elle en est. Là, on a une femme qui est studieuse ici, petit sujet, je vais te le montrer. Hop là, voilà. Là, tu vois, hein, cette femme-là, elle travaille, hein, c'est vraiment grâce, elle y arrive grâce à ses efforts. Mais là, cette personne-là, ici, manipulatrice, destructrice, ici, toxique, eh bien, elle a porté beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse. Il se peut que notre personne, ici, qu'on trouve là aussi également. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on a deux personnes. Regarde, les deux petits sujets côte à côte, c'est la même femme. Elle habille exactement de la même manière. Et je ne sais pas si je m'en serais rendu compte sur l'autre version, mais ici, on voit très bien, même robe, hein, même collerette blanche. On parle vraiment de quelqu'un ici qui est studieux, qui apprend, qui se forme. Et qui en fait ne va redoubler toujours d'efforts et d'efforts, et peut-être pour servir cette personne-là. Donc attention, attention. En tout cas, on a récompense des efforts fournis justement grâce à ce travail-là. Donc il est question de lever la tête, de ne pas être focalisé comme l'alchimiste beaucoup trop sur sa lampe philosophique. Il est focalisé pendant un temps, mais à un moment donné, il saura lâcher aussi, hein, et puis se reposer. On va aller voir la suite ici. Eh bien oui. Alors, s'il y a un jugement, donc il est question de passer peut-être devant l'administration, devant un tribunal, donc on peut parler aussi de divorce, de séparation ou de séparation de biens, des choses comme ça, ou autre au niveau professionnel. Le roi de pique, je n'aime pas parce qu'en fait, il est autoritaire, il est dur, autoritaire. On a quelqu'un qui veut tout contrôler. Bon, là, c'est le tribunal. En tout cas, il y a des négociations, des conciliations qui sont tout à fait possibles. L'œuvre au blanc voit clair dans une situation qui peut. Voilà, qui maintenant, là où on ne voyait pas clair dans le passé, une situation difficile et compliquée. Donc, moi, j'aime beaucoup quand même ce petit sujet ici. C'est le bon sujet. Donc, c'est la fin d'une situation avec Amicio. C'est le mois de septembre. Hein. Fin d'une situation, début d'une autre situation. Donc très clairement, on a quelque chose là qui pour moi va avancer, mais va avancer positivement. C'est le mois de, oui, je te disais que c'était le mois de septembre, Amicio. Mais c'est vraiment la fin d'une phase aussi. Ça peut être la fin d'une phase de vie, Amicio, la fin d'un cycle. C'est tout ça. Mais on a Fortuna Minor, c'est le mois d'avril.
Bon, on y arrive au mois d'avril, d'accord? Et là, c'est vraiment, il y a des opportunités qui peuvent se présenter, mais qui faut vraiment profiter parce que c'est pas quelque chose qui va, bah déjà qui se présente qu'une seule fois, mais de manière très furtive, faut l'attraper, mais en plus, qui ne va pas durer longtemps. Voilà. Donc là, c'est ce qui est arrivé. En fait, tout ce qui vient, qui est bénéfique pour toi, bah, profites-en. C'est ça que je voudrais dire. C'est vraiment le moment d'en profiter, quoi qu'il arrive. Et donc, le roi de pique, bon, bah, c'est être confronté à des événements. Hein. C'est être responsable aussi. On a un tribunal, c'est prendre ses responsabilités, prendre des décisions qui peuvent être importantes et parfois lourdes de conséquences aussi. Donc ne rien faire dans la précipitation, ne rien faire dans un état émotionnel instable aussi pour éviter de compliquer les choses. Donc faire toujours les choses avec maîtrise, hein, on va parler vraiment de maîtrise. Je t'en parlais aussi, je crois que c'était avec le talisman de Saturne, je crois, tout à l'heure, je sais plus où. Oh, oui, c'était là. Voilà, avoir la maîtrise des choses, c'est aussi peut-être aller voir le prophète Calcas, c'est-à-dire prendre, voilà, aller voir quelqu'un, un expert qui peut apporter des conseils hein, sur la situation. Et on voit qu'ici, on en aura besoin là par rapport à notre tribunal aussi. En fait, faut pas se laisser. Faut bien rester droite dans tes bottes, droit dans tes bottes si t'es un homme et que ça te parle, parce que cette guidance peut bien sûr parler aux hommes, toutes les autres aussi. Là, faut savoir que faut vraiment utiliser tout le savoir, toutes les connaissances hein, que tu as en ta possession et que tu as expérimenté. En fait, on te dit de te faire confiance parce que tu as expérimenté des choses, donc tu as des connaissances, tu as un savoir. Voilà. Et ça, il sera indispensable dans une situation, mais aussi pour ton évolution. Voilà. Et si tu as des inspi si tu es inspiré pour si tu as des idées qui te traversent et t'es inspiré pour certaines choses, on te dit que c'est vraiment ces idées-là, il faut pas qu'elles restent dans ta tête, faut les mettre au monde en fait. Hein. Voilà, voilà. Mêler en action, en fait. Donc là, il est possible de rompre avec une personne de son entourage, auquel eh bien, tu étais peut-être très attaché, si cette guidance te parle, notamment sur le plan amical, parce qu'il y a une mise en lumière avec l'œuvre blanc de certains de ces agissements. Voilà, les deux cartes là vont tout à fait, l'œuvre blanc et là vont tout à fait ensemble finalement. Il y a quelque chose qui est mis en lumière. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est une période qui va, en fait, qui était lourde et. Lourde en contraintes, il y a peut-être des signatures qui vont se faire, qui vont permettre de clarifier les choses, de se libérer. Il y a une possibilité d'obtenir une satisfaction sur le plan financier, mais en tout cas, c'est surtout sur le plan, je dirais, psychologique et personnel qu'il y a une libération et une joie qui arrivent. On parle d'honnêteté ici, de droiture. Ben, c'est ça en fait, hein, ici la récompense des efforts fournis ici, hein, c'est tout à fait ça. Voilà. Donc, il n'est plus question de compromis qui étaient imposés. Là, les choses, elles vont vraiment se stabiliser, être équitables. Et ben là, il n'y aura rien à se reprocher. La vérité, en fait, éclate. C'est ça, l'œuvre au blanc. La vérité éclate ici, avec ce petit sujet-là, complètement en lien avec notre 10 de cœur. Je termine avec la dernière carte. Et ben voilà, il est question de se retrouver. Attention aux flatteurs. Attention aux personnes qui flatteraient un peu trop. Revenir vraiment loyal, fidèle à soi-même. On a ici la joie, l'amour, l'harmonie pour une femme. À question, voilà, en restant vraiment fidèle à soi, loyal à soi. On parle de loyauté, de fidélité ici. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire. Attention aux flatteurs, les choses s'améliorent, il y a une récompense des efforts. Je vais quand même terminer par... Tac, et bien une carte avec l'oracle sacré. Et voilà, connexion spiritualité. Une fois qu'en fait... Tout ça, c'est fait, c'est passé. Il y a possibilité, on voit dans le futur d'ailleurs, complètement tourner, j'essaie de pas tout faire tomber, tourner ici vers le futur, eh bien là, on a une personne qui est en retraite.
Voilà, elle est en retraite, cette personne, et il est question de se retrouver soi, en fait. Donc les soucis vont être derrière. Maintenant, les personnes toxiques, c'est derrière, et il est question vraiment, il est question d'avancer, il est question d'une belle élévation, tu vois, hein, de s'élever vraiment. Légèreté, je te parlais de légèreté, connexion spiritualité avec l'oracle sacré. Eh bien écoute, j'espère que cette petite guidance t'aura plu. On a eu beaucoup d'éléments, donc ça c'est vraiment pour les personnes qui seront en situation difficile, quel que soit le domaine de vie. On n'oublie pas que le 10 de cœur quand même, c'est une belle réussite aussi en amour ici. Hein. Voilà. Voilà. Et un amour peut-être bien connecté. Hein. Je mets les deux cartes là. Jusqu'à vendredi, pour les personnes qui ont écouté jusqu'au bout, jusqu'à vendredi soir. 20h, eh bien, avec le code audio guide AUDIOGUID, tu regardes sur YouTube sous la vidéo, j'ai mis le lien. Eh bien, tu as une guidance audio de 30 minutes sur une question précise ou un domaine de vie entier. Tu peux me dire, ben voilà, moi je voudrais avoir une guidance sur le domaine familial, professionnel, financier, sentimental. Et je te fais ta guidance, elle dure 30 minutes en audio, je te l'envoie par email. Et tu la reçois sous 7 à 10 jours, parfois en avance. Et voilà, les premières personnes qu'on réservait, ben je commence par ces personnes-là. Donc, plus tôt tu réserves, plus tôt tu reçois ta guidance. Et elle est à 30 euros avec le code de réduction, elle est à 30 euros. On se retrouve demain pour la dernière guidance du jour de la semaine. Merci à toi pour ton écoute et ta présence et tous tes commentaires. Que ce soit sur YouTube, Instagram, Facebook, vraiment, ils me font chaud au cœur. Je reçois toute ma gratitude. Bonne journée!